Sami, je croyais que tu voulais écrire ton nom sur l'autre bras. Oui, mais j'ai chéri David après avoir suivi le film Scarface la nuit dernière. J'ai été impressionné par le personnage de Tony Montana. J'aime ses muscles, sa force et sa détermination à terrifier les gens autour de lui. Tu fumes même déjà, Sami, es-tu fou? Tout le monde croyait que Napoléon était fou. Mais avec son armée, il a maté les gens de l'Europe et a conquis une partie de l'Afrique. Alors, quelle est ta vision? Mon avis est que chaque grand homme de l'histoire a toujours eu un rêve avant de réussir. Alors le mien est de devenir comme Sami. Tony Montana. Rectificatif. Sami est une personne. Tony Montana est l'image souhaitée. Et cette image doit refléter exactement Tony Montana. Maintenant, maintenant, bouge, bouge. S'il vous plaît, je vous en prie au nom de Dieu, je suis encore vierge. J'ai eu le choix d'être violée par les hommes de Tony Montana. Où allez-vous? Allez, dégage. Vous l'avez avisé? Dégage. L'amateur, tu as demandé d'après moi. Je n'ai que 20 minutes. Alors, je t'écoute. Tu es un bon prédateur. Ton nom suscite la peur dans cette ville. Je voudrais t'initier au rouage qui te conduirait à ta destinée. Rouage? Qu'est-ce qui te fait croire que je les ignore? Tu te trompes. Même le lion qui est le roi de la jungle a toujours besoin des autres animaux pour asseoir sa suprématie. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ok. Quel est le problème? Sami. Tu n'utilises pas totalement ton potentiel. Et je veux que ça change. Les prédateurs comme moi touchent de gros sous. Et non des miettes de jetons. Dans cette enveloppe, tu as toutes les informations nécessaires pour ta première opération. On verra comment tu géreras ça.
Ok. J'attends. Assure-toi qu'il soit bien motivé. C'est rien du tout. T'inquiète, je m'en occuperai bien. De toutes les façons, tu m'intéresses bien. Je te veux pour la nuit. Montez et apprêtez-vous. Je serai à vous dans 10 minutes. Dépêche-toi. Je suis impatient. Maintenant. Tu es triste? C'est toi qui m'as invité ici? Quoi? Toi. Sami, comment tu te sens de savoir que ton nom est associé au crime? Lesquels? Les agressions. Le vol. Crime? Sami, je t'aime. Tout ça me fait tant de mal. Tu aimes le monde du crime? Le vol à main armée? Le voleur? Le fils de la plus vieille veuve? Je pense que derrière ce palais agressif, ce regard mortel, il y a un cœur tendre. Une âme vraiment généreuse. Une personne magnifique. Je te jure devant Dieu, je suis amoureuse de toi. C'est agréable d'entendre ça, bébé. Si tu veux m'aimer, tu dois aimer chaque partie de moi. Et le crime. Fais partie de moi. Et à quoi penses-tu que cela te mènera? L'argent? Le pouvoir ou quoi? Que peux-tu m'offrir de tout ça? Sami, si c'est de l'argent que tu veux, mon père peut te soutenir financièrement à devenir l'homme de tes rêves. Cesse de ruiner la vie des pauvres. J'ai pas besoin de l'aide de ton père. Mes rêves dépassent tout ce que tu penses. Et tu penses que le crime peut t'aider à réaliser tes rêves? Peu importe ce que ça me coûtera. Je trouverai sûrement un moyen. Assez de tes questions stupides. Ok? Épargne-moi toutes ces paroles. J'aimerais que tu viennes près de moi et que tu donnes à Sami un baiser. C'est qui ça? Service de chambre. Tu as commandé quelque chose? Non. Oh, hey. Hey. N'ose pas bouger. Tu sais, ça peut faire très mal. Et ne crois pas que c'est une fille qui blague.
Doucement, doucement, doucement. Un seul faux geste et tu perds ton truc. Pitié, 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 s'il vous plaît. Pitié, que voulez-vous? Où est l'argent? Quel argent? Je compte jusqu'à 5. Si tu ne cesses pas de grimacer, la bordelle qui est derrière toi va mourir. Oh. On est là. 1. Non, doucement. Doucement. 2. Doucement. 3. 4. Tue là. Non, 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 pas, pas ça du tout. C'est là. Apporte. C'est là. Je vous l'amène. Je vous l'amène. Et voilà. Ouvre voilà, ça. Voilà l'argent. S'il vous plaît. Oui, même voilà, là. Voilà l'argent. C'est un plaisir de t'aider à faire avec toi. Allons-y, les gars. Et fermez la porte derrière vous. Fly. He's a smooth operator when wise.
If the king of the jungle of crime, he is the man with the gun. He is the son of a gun. C'est l'ami dont je t'avais parlé. Maxino. Samy. Toujours en vie, Maxino. Toujours vivant, mec. Les dieux doivent avoir un vilain plaisir. Je pensais que le temps passé en prison aurait changé ton langage, Samy. Il faudra tous les gardiens de la prison pour pouvoir me fermer ma bouche. Je suppose que quelqu'un a bien pu le faire. Hey. Toutes ces femmelettes enveloppées dans la peau d'homme. Oh, Maximo, tu me connais mieux que ça. Je suis ravi de savoir que la prison ne t'a pas ébranlé. C'est agréable que tu sois ici. Moi également, tu sais. Julio. Samy. Eke Tony Montana. Oui, je sais. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Maxino m'a tout dit. C'est un plaisir de te connaître. Toi aussi. Je t'aime bien, tu sais. Oui. Je pensais comment célébrer ton arrivée. Je te présente mon ami Julio. Il est basé à Accra. Il vient d'avoir un emploi et un bon logement. C'est bien de le savoir. Je réfléchis. Maintenant que tu es libéré, un changement d'air nous ferait du bien. Qu'en penses-tu? Et où penses-tu qu'on peut aller? Accra, en effet. Je t'ai dit que notre ami Julio est basé à Accra et il pourra nous trouver du job. Un job? Oui. Et quel job? Un business de gigolo? Baiser les femmes? Car c'est ce que tu sais le mieux faire. Gigolo? Non. Coucher avec les femmes? Pas mal. Je peux gagner ma vie. Mais soyons sérieux. J'ai quelque chose qui peut garder notre âme et notre corps avant de trouver mieux. Oui? Et qui est-ce qui est mieux? Sois patient, mon ami. Je veux m'assurer d'abord dans quoi on s'embarque avant de te dévoiler. Je te fais confiance, Maxino. Ta mère et ta soeur ont déménagé pour Accra. Et je suis sûr que tu seras fier de les voir. Non. Non. Je ne veux pas que ma mère me voie comme ça. Non. Voici les amis dont je t'ai parlé, Sam. Samy, Jim et Milado. Maximo nous a parlé de toi en bien. Je pense que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. D'accord. Nous vous prendrons comme nos informateurs et vous gagnerez chacun 5 millions de CDs.
5 millions chacun pour chaque information qu'on obtiendra de vous. Millions? Vous blaguez? Pour qui vous prenez-vous? Des soulards? Combien coûte une bouteille de bière? Vous feriez mieux de trouver autre chose à dire, d'accord? Pour qui diable te prends-tu? Pour un beau? Toi, contrôle ton langage quand tu parles. Samy, arrête! Du calme, fais pas Essaye ça, Samy! Encore une du seule calme. Fois et je Calme-toi, mec. Calme-toi. Je t'ai dit que ces gars sont des salauds. Tu es le genre d'homme que je veux. Bienvenue dans la famille. Eh bien, rendez-vous au QG. Excuse-moi pour la gifle. Maxino parle lui, ok? Je ne suis pas d'accord avec la somme qu'il veut payer. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous n'avons rien à lui demander de plus. Tu as des pellicules partout dans la tête. Tu joues avec du sable? Y a-t-il de l'eau dans ta zone? Quoi? De quels cheveux parlez-vous? Je suis en train de dire que tu pues, que t'es un porc et tu dois te laver, tu sais. S'il vous plaît, calmez-vous. Tu ouvres cette putain de gueule pour me parler ainsi. Regarde-moi bien. Ne vous en faites pas, monsieur. Mon ami s'amuse. S'amuser? Qui s'amuse, Maxino? Tu ne sens pas l'odeur? Je me demande si c'est lavé depuis un an. Tu sais qui je suis? Oui, en effet. Tu es un porc en forme d'homme qui sent comme un rat. Sais-tu ce qu'on appelle rat? Le rat est un animal qui vit dans les égouts. Écoute! Fais attention, celui qui ne fait pas jamais mes gâtés tabassés, nous n'en m'emmènes ces temps où je te fais. Je te jure sur la tête de ma mère que si tu me touches avec tes sales mains, ce serait la dernière fois de ta vie de porter tes sales mains sur quelqu'un. Tu m'entends? Essaye, tu verras. Bon, avec le ça feu. Va maintenant. Samy ne joue pas avec le feu, ok? Parce que moi je suis l'eau, j'éteins tout feu. J'éteins tout feu, tu m'entends? Mon gars, tu Laisse vas nous moi. Créer des ennuis. Ici c'est Accra et non Kumasi. Tu dois faire attention. Et paye-moi tes serments. Qui cherche le respect, je lui donne le respect. Qui cherche des ennuis, il les aura. C'est moi qui ai parlé. Samy. Maxime. Chacun de vous a été hautement recommandé. Milando ici a placé sa confiance en vous deux. Et j'ai confiance en son jugement. Ici, nous avons deux codes. Un, vous faites à autrui ce que vous aimeriez qu'autrui vous fasse. Deux, nos secrets restent nos secrets, même jusqu'au point de la mort. Vous deux m'avez suivi? J'ai compris. Entendu, monsieur. Maintenant, Milando, Jim et Jordan, ici présents, voici Latifa, la seule femme du groupe. Waouh, sexy, je dois dire. Ne vous laissez pas séduire par ma beauté. Je suis une vipère. Extrêmement venimeuse.
Lève-toi. Oh, qui est le boss ici? Quelqu'un peut me répondre qui est le boss ici? Toi? Je demande cela parce que j'ai un principe. Aucune femme ne me commande. Même pas ma mère. Vous m'entendez? Tu as vraiment du culot, hein? Bon. Confiant. Courageux. As-tu déjà traité ce genre d'affaires auparavant? Bien avant, dans le ventre de ma mère. Et savez-vous comment? J'ai frayé mon chemin hors du ventre de ma mère avant 9 mois. Et s'il y a une chose que je sais faire, c'est le vol. Je jure Dieu que je suis un pro. Et alors, comment tu le sais? Tammy peut se voler lui-même et ne pas s'en rendre compte. Sammy, Maxino, vous êtes les bienvenus dans le groupe. Sam, bienvenue à bord. Merci, pote, merci. Lève-toi, pute. Viens ici. Allez, viens. J'espère que ton mari sait qu'il doit revenir à la maison suite à cet appel. Parce que s'il ne venait pas, je suis désolé. Tu mourras. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je vais vous donner tout ce que vous voulez. Formidable. Formidable. Les gars, prenez position. L'oiseau va bientôt atterrir. Soyez le bienvenu, monsieur. Merci. Qui êtes-vous? Je suis le visiteur qui vous attendait à la maison. Celui dont votre femme vous a parlé au téléphone. Et comment puis-je vous aider? Vous êtes un homme très stupide. Issa, qui a permis à ces gens-ci d'entrer dans ma concession? Tel que vous pouvez le constater, Issa ne peut pas parler. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah!
Maintenant que nous sommes présentés à notre manière, pouvons-nous passer aux choses sérieuses? Monsieur le commissaire, je veux être bref. Où est l'argent? Où est l'argent? Mais j'ai pas d'argent. Très bien. Bien, agenouillez-vous. À terre. Monsieur le commissaire, si je vous le répète encore, je vais tirer sur elle. Je jure au nom de Dieu que je n'ai pas d'argent. S'il vous plaît, arrêtez. La ferme! La ferme! L'argent est dans mon coffre-fort. C'est gentil. Vous êtes bon. Vous êtes bon. À présent que nous semblons nous comprendre clairement, vous irez avec vos hommes dans votre chambre pour leur remettre l'argent. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous tuerai à petit feu en commençant par vous garder. Allez, bougez! Lève-toi! Lève-toi! Avance! Maintenant, madame, voyez-vous comment mes gars sont gentils? C'est formidable. Vous voyez comment vous tremblez devant un simple fusil? Et vous pillez impitoyablement les fonds publics à travers votre mauvaise politique économique. Vous voyez combien d'argent vous avez dans votre maison? Je ne sais combien vous en avez dans vos comptes à l'étranger. Je n'ai pas... La ferme! Maintenant, couchez-vous. Couche-toi. Les gars, partons d'ici. Je veux garder beaucoup d'argent avant de voir ma mère. Je veux qu'elle soit fière de moi. Je veux qu'elle voie ce que j'ai fait de ma vie. Demain, je ferai n'importe quoi pour le partage de l'argent. Ne va pas si vite, Sammy. Tu pourras laisser une mauvaise impression et faire du mauvais sang au groupe. Et si tu fais ça... Bon sang! Quelle bêtise racontes-tu? J'ai fait mon travail et je dois être payé. Est-ce que c'est clair? Tu ne comprends pas. Je ne dis pas que tu as tort. Mais ces gars sont des professionnels. Très mortels. Ils peuvent te tuer si tu deviens difficile à gérer. Attention. Ce n'est pas drôle. Me tuer, Maxino. Me tuer? Qui va s'en charger, dis-moi? Toki? Jim? Milano? Ou Latifa? Dis-moi. J'ai maîtrisé des bandits de grand chemin en prison. Pendant 3 mois. Tes gars sont des amateurs pour moi. Tu comprends? Si l'excès de confiance ne te tue pas, Sammy, rien d'autre. Joki est le boss ici. Laisse-le partager l'argent quand il le voudra. Quel est ton problème, N'importe Sammy? N'importe quoi. Absolument hors
de question tout ce que tu me racontes là. Personne ne commande personne ici, tu comprends? Nous avons pris les mêmes risques. Et toi, tu es le boss de ta vie. Et moi, je suis le boss de la mienne. Pigé? T'as bien compris? Tu vas rester une éternité dans ce jacuzzi? Est-ce que tu réalises que les invités nous attendent? Rectificatif, Jokin. Des invités qui attendent avec qui? Après tout, n'est-ce pas une réunion entre ton gang de voleurs et toi? Ne suis-je pas juste un trophée? Regarde, que tu veux exposer? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Choisis un autre jour. Je peux divaguer quand je veux. Naomi, choisis un autre jour. J'en ai marre de passer pour une fille d'exposition. Comme si j'étais un tableau à acheter en galerie. Maintenant, c'est assez, Naomi! Non, ce n'est pas assez. Jokin, j'ai besoin d'affection. Naomi, que veux-tu d'autre de moi? Ne t'ai-je pas acheté des choses chères? Chaussures, habits, sacs? Tu ne conduis pas les voitures de luxe? Sans compter ce paradis que tu habites? Que me veux-tu d'autre, Naomi? Que me veux-tu d'autre? Pardon? Tu appelles ça paradis? Joker, je veux un engagement de toi. Pendant combien de temps tu vas continuer à promettre d'aller voir mes parents pour normaliser notre relation? Combien de temps? Combien de temps? Naomi, tu as tapé juste dans le mille. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Même pas une fausse couche. Voilà, lorsque je verrai des signes prouvant ta volonté de tomber enceinte, je m'engagerai dans cette relation comme tu le désires. C'est ça ta réponse, Joker? C'est ça? Écoute, cette discussion est terminée. Sors de là, habille-toi et descendons. Et fais-moi une faveur. Essuie-moi ce visage pathétique et présente-toi sous ton beau jour. Mes excuses pour vous avoir fait attendre. Pour une pute comme celle-là, ça m'est pu attendre une éternité. Ne me traite pas de pute, je suis une dame. Toutes les femmes sont des putes. Elle est une pute. Ma mère est une pute. Donc, toi aussi, tu es pute.
je me confesse. Vous êtes la plus belle des femmes que j'ai jamais vues. Sammy, la dame que tu viens de traiter de pute est ma femme. Pardonnez mes mauvaises manières. Mais elle est une très belle femme. Et cela vaut même la peine de se tuer pour elle. Excusez-moi. Maintenant, revenons à nos affaires. Le succès de notre dernière opération nous fait de la publicité. La police a déployé ses éléments partout. Nous devons faire beaucoup attention à ce que nous disons en public. Nous n'avons pas besoin de la police dans notre dos. Eh, ça nous le savons déjà. Je croyais que nous étions là pour le partage du butin. Faut que tout soit clair. Quand est-ce qu'on partage le fric? Bien. J'ai bien peur que ce ne soit maintenant. Entendu? Sammy, je souhaite que personne ne se mette à faire de folles dépenses, de peur d'attirer l'attention sur nous. Nous devons aller doucement, doucement. Ok, boss. Moi, je veux mon fric maintenant. Quoi? Je le veux maintenant. Pardon? Sammy demande sa part de butin contre ton gré. Joggy, l'insolence de ce mec devient hors de portée. Sammy a un esprit passionnant. Sa rage est pire que sa piqûre. Il est expressif. Et je l'apprécie. Et je me sens bien avec lui. J'entrevois ce garçon échapper à notre contrôle. Je l'observe depuis... Toi, ne t'inquiète pas. Sammy est bien sous mon contrôle. Si je sens qu'il déborde, je l'écraserai moi-même. J'espère que tu l'auras en premier. Nous avons tous bien travaillé. Oh.
bonne opération, comment? Du jamais vu. Écoutez, je souhaite que nos liens se renforcent de plus en plus. Que chacun surveille l'arrière de l'autre, c'est très important. Samy, comment trouves-tu ton nouveau appartement et ta voiture? Super. C'est très important que tout le monde soit à l'aise. Et j'ai aussi contacté un tailleur pour s'occuper de notre garde-robe afin de nous donner une image très éloignée de ce que nous étions. Nous devons faire attention à nous. C'est la meilleure façon d'éviter la visite de la police. Franchement, nous avons été tous merveilleux. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est d'être très prudents. Yeah. Maintenant, à propos de notre nouvelle opération, Jim, as-tu tout apprêté? Ouais, en effet, boss, il n'y a rien à craindre. Yeah, très bien, c'est très bien. Nous reprendrons la semaine prochaine. Et toi, appelle ce gourmand de policier afin qu'il éloigne ses hommes de nos chemins. Sans problème. Dès que l'opération sera terminée, il aura sa part, du gâteau. Je vais le faire. Maintenant que cette discussion d'affaires est terminée, pouvons-nous aller danser? Ou vous préférez rester là à parler d'argent? L'argent vous donnera une crise cardiaque un jour. Danser? Je préfère une crise cardiaque à la danse. Et toi, ne veux-tu pas danser? Ou ne sais-tu pas danser? Avec moi? Veux-tu danser avec moi? Oui, Samy, je sais que tu aimes danser. Va t'amuser, emporte-la. Quel est ton nom? Quoi? Je dis quel est ton nom? Naomi Frimpong. Naomi quoi? Frimpong. Ça ressemble à un nom de chat. De quelle région es-tu? Ce n'est pas nécessaire. Essaye juste d'être sympa. Je n'ai pas besoin d'un ami. Et même si moi j'en voulais un, ce ne serait pas un être prisonnier comme toi. Je suis allé en prison pour une cause noble. Ah, Jocky m'apprend juste à voler. Il ne vaut pas mieux que moi. Je n'ai jamais su que tu es aussi sensible à ta situation et que tu as aussi un grand sens d'orgueil personnel. Bébé, je dois t'avouer la beauté de ton corps. Tes jambes sont très sexy. Tu attires toutes les attentions sur toi. Sauf qu'il y a une chose, tu ressembles à une vierge. Ce n'est pas ton problème si je ressemble à une vierge et rectificative. Je ne suis pas ton bébé. Tu le sauras un jour, mais pas heureuse. Cela se voit en toi. Peut-être que tu peux tromper les autres, mais pas Samy. Dans tes rêves, oui. Même si un jour, je suis bloquée sur une île, seule, avec toi et dans un besoin terrible d'homme, je ne te permettrai jamais de me toucher avec tes doigts répugnants. Allez, venez danser. Nous sommes tous dans le show ce soir. Je ne peux croire ça. Je ne peux pas croire ça. Samy, de toutes les beautés qui inondent Accra, c'est la femme de Jocky que tu as vue. Tu es fou? Je suis peut-être fou, mais je n'arrive pas à la sortir de ma tête. C'est pas ma faute. Samy, souviens-toi des lois du groupe. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Tu es en train de tenter le diable. Mais elle n'est pas son épouse. Elle est juste ta copine, donc elle peut devenir ma copine, tu sais?
Sami, tu envisages l'impossible. Tu es sur un mauvais chemin. On est des vieux amis. Pour cela, je t'en prie, laisse la femme de Joki. Que diable t'as peur? Je peux l'enlever à Joki. Enlève cet esprit possessif de toi. Tu es Sami et non Tony Montana. Tu as bien compris? Tony Montana, c'est l'image. Sami n'est que le nom. Je te jure que je peux défier Joki, et tu le sais. Oh! Y a-t-il quelqu'un? Joki n'est pas à la maison. Oh. Excuse-moi. Je ne suis pas venu voir Joki. Je suis venu te voir. Vraiment? Qu'est-ce qui te donne l'impression que je veux te voir? Si Joki te trouve en train de m'embêter, il te tuera. Pour une femme comme toi, je peux affronter... Dis, Joki, tu m'entends, Naomi? Naomi, tu es une femme remarquable. Remarquable. Qui a besoin d'être traité spécialement, le sais-tu? Et je sais que Joki en est incapable. Qui es-tu pour juger dans ma relation avec Joki? Tu ne me connais même pas. Tes yeux, Naomi, disent toutes les histoires qu'on souhaite savoir. On dit que l'œil est le reflet de l'âme. Ce que le cœur ressent, les yeux l'exposent. Bon discours. D'où tiens-tu cela? Je pense que tu seras un bon acteur. Je peux te procurer la lumière en abondance. La lumière en abondance. Je vais être riche. Naomi, je vais être très très riche. Écoute-moi Naomi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Dans ma vie, qu'en penses-tu? Accepte. Je t'aime. Sami, rien ne m'énerve plus que la stupide arrogance que tu affiches toujours. Tu appelles ça de l'arrogance? Ça, c'est le destin. C'est le destin. Et que toi, Naomi, tu en fais partie. Tu en fais partie. Je veux t'avoir autant de plaisir de Sami. Mets-toi ça dans la tête, ok? Naomi! Rentre chez toi, Sami. Je t'aime. Bye. Et je t'aimerai. Toujours. Joki, je veux un engagement de toi. Pendant combien de temps vas-tu continuer à promettre d'aller voir mes parents pour normaliser notre relation? Combien de temps? Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? Même pas une fausse couche. Voilà, lorsque je verrai des signes prouvant ta volonté de tomber enceinte, je m'engagerai dans cette relation comme tu le désires. Naomi, tu es une femme remarquable. Remarquable. Je peux te procurer la lumière en abondance. La lumière en abondance. Naomi, je vais être riche.
Naomi, je vais être riche. Je vais être très, très riche. Naomi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Dans ma vie, qu'en penses-tu? Pour un homme qui garde une femme chez lui, c'est l'heure à laquelle tu rentres à la maison. Te rends-tu compte que c'est le sang qui coule dans mes veines? Sais-tu que j'ai des sentiments aussi? Ne t'approche pas de moi. C'est le parfum de qui sent sur toi. Quelle est cette question stupide que tu me poses? Oh! Mon homme vient à la maison en sentant un parfum féminin. Je lui demande pourquoi et il trouve que je pose trop de questions stupides. Comment puis-je tomber enceinte lorsque tu ne rentres à la maison qu'après avoir fouillé dans toutes les jupes d'Agra? Tu reviens avec un tonneau vide et faible. Regarde Naomi. Tel que tu as pu le constater, je suis très fatigué. Et je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Oh, Naomi. Viens enlever mes chaussures et déshabille-moi aussi. Alors, où se trouve Joké? Il semble que tu m'aies dit que Joké t'a demandé de venir me voir. Je t'ai menti, bébé. Choisis-moi une nouvelle voiture. Descends. Allez. Ma chérie, tu vois? La belle voiture. Hey, ça. Allez, monte pour notre plaisir. Écoute ce que je te demande. Ce que je te demande, écoute. Je veux que tu m'offres ton cœur pour que je puisse t'offrir des choses comme ça. Hey.
Moi, tout ça, choisis une voiture pour toi et des cadeaux pour deux. Je sais où tu veux en venir. Tu veux me corrompre d'être avec toi. Ça marche. Naomi, quelque chose d'étrange est en train de se passer. Et ça arrive à Sammy. Je n'arrive plus à me concentrer sur quoi que ce soit. Mon travail, tout. C'est toi qui me tourmente dans ma tête. Et cela me rend inconfortable. Je t'aime, Naomi. Et je veux être avec toi. Je veux que tu sois avec moi. Ta voix a changé. Je sais. Ça, c'est Sammy. Le gars que tu vois flâner partout, ébranlant son arrogance. Je ne fais que l'utiliser pour survivre. Je l'utilise pour parcourir la vie, c'est tout. Je ne saurais l'utiliser pour t'avoir. Voici qui je suis. Prends-moi tel que je suis. Je dois avouer que tu es certainement un homme à plusieurs facettes. Quand le cœur veut, il a mille façons de prendre au sérieux ses mots et ses actions, tu vois. Naomi, tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Je te veux à présent. Tu as besoin d'être choyé. Tu as besoin d'être adoré. Ton visage a besoin d'être embrassé, caressé. Je veux te rendre heureuse, Naomi. Ma chérie, mon amour, écoute. Écoute-moi, Naomi, je t'adore. Et que feras-tu de Jockey? Oublie Jockey. Jockey, c'est le passé. C'est l'histoire. Jockey doit survivre. Et si Jockey doit être un obstacle, je vais le traiter comme tout obstacle mérite d'être traité. Je vais l'éliminer. Et il n'y aura pas d'exception. Naomi. Je mourrai pour toi. Ça suffit. Je rentre chez moi. Es-tu sûr de vouloir rentrer à la maison? Es-tu vraiment sûr que tu veux rentrer? Ok, je vais t'amener chez toi. Ok? Regarde ma princesse. Becca.
Oh mon Dieu. Mon Peter a grandi. Elle est devenue une reine de la beauté. Maman est-elle là? Oui, elle est dans la chambre. Maman dit que je pouvais vous trouver ici. Oui, nous sommes ici depuis près d'un an maintenant. Maxino. Ouh, qu'est-ce que je suis contente, mon frère. J'arrive dans un instant. Maman. Tu m'as manqué, maman. J'ai une surprise pour toi. Une surprise. Oh, maman. Quand es-tu sortie du prison? Il y a quelques mois de cela. Quand as-tu été relâchée? Oh, maman, ça n'a aucune importance puisqu'il est ici maintenant. Peux-tu te taire? Quand as-tu été relâché, Sam? Oublie la prison, maman. Ça, c'est pas la façon dont tu dois m'accueillir. Tu m'as trop manqué, maman. Comment te portes-tu? Tel que tu le vois, nous nous portons bien. Le Seigneur a été miséricordieux pour nous. Et qui sont ces gens qui t'accompagnent? Ce sont des partenaires d'affaires. Partenaires? Partenaires d'affaires? Quel genre de business fais-tu maintenant? On travaille dans l'import et l'export, maman. Quel genre de marchandises? Cacao, huile de palme et bien d'autres choses. C'est rien de costaud, maman. Je vois. Et tout ça en 3 mois? Où veux-tu en venir, maman? Famille, je suis ta mère. Je t'ai mise au monde. Un léopard ne peut devenir un tigre du jour au lendemain, juste parce qu'il est sorti du prison. Non, mon fils. Tout ce que tu fais est vanité. Samy, tu as besoin du Christ dans ta vie. Maman, je suis venu te voir parce que tu m'as manqué durant tout ce temps. Je ne suis pas ici pour recevoir des leçons bibliques, s'il te plaît, maman. Ce qui est en dehors de ça est vanité. Becca, ça, c'est pour toi. Waouh, frère Samy, tout ça c'est pour moi. Toi, Becca. Oh, merci. Je donne ça à Becca pour ses besoins. Je ne veux pas qu'elle te dérange pour quoi que ce soit, maman. Maman. Voici 60 millions de Sidi. Oh, mon Dieu. Tu es retourné dans le crime. Maman. Tais-toi. Quoi d'autre peut procurer autant d'argent pour nous donner 60 millions de Sidis? Je ne veux plus que tu reviennes ici. Ne viens pas me détruire, Becca. Parce qu'elle est tout ce qui me reste à présent. Maintenant, quitte ma maison. C'est ça, maman. Non, maman, il n'ira nulle part. Il doit rester ici. Je ne prendrai pas ce chèque. Prends ça et quitte ma maison. Oh, non. Ne t'en fais pas, je la comprends. S'il te plaît, pardonne maman. Elle t'aime très fort, Samy. Elle t'aime, je le sais. Je sais. Je l'aime aussi. Mais seulement, elle me déteste profondément à cause de mes actes. Non, c'est pas de sa faute, tu sais. Depuis que tu es parti, elle prie pour toi tout le temps. Elle prie pour toi. Elle t'aime, Samy. Fais bon usage de ton argent. De l'argent que je t'ai donné, ok? Je viendrai vous voir. Ne pas, s'il te plaît. Fois, ok? Non, mon frère. Non. Maxino. Allons-y.
Personne ne paye. Ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est pas mon rêve. Que veux-tu faire? C'est ce que ta maman vend pour vous nourrir. Est-ce que quelqu'un peut devenir riche en vendant du pure water? Donc, boss, je pense qu'avec ça, nous n'aurons aucun problème. Nous avons besoin de nous assurer de l'information avant d'y aller. Je suis très sûr de la femme. Elle nous a donné tous les détails du réseau de sécurité. Et d'ailleurs, elle sait combien elle gagnera quand l'opération sera un succès. Seul un homme malade peut avoir confiance à une femme dans de telles affaires. Parce que moi, je ne fais confiance à aucune femme. Je suggère qu'on vérifie doublement ces informations. Ferme ta bouche! Ou alors je t'aide à la boucler. Tu me demandes de surveiller mon langage? Toi, plutôt, surveille ce qui sort de ta bouche. Autrement, voilà, ce sont les dents que tu perdras. Arrêtez-moi ces bêtises. Non, boss. Quelqu'un doit dire à cet abruti, à ce fils de pute, quelques vérités. Je t'ai amené dans ce groupe et je peux encore te faire partie. Tu m'entends bien? Je peux te faire partie. C'est quoi ça? Comment appelles-tu ça? Est-ce que tu me menaces? Tu crois que je ne peux pas survivre en dehors du groupe? Moi? Je t'emmerde, Milando. Je t'emmerde. J'emmerde ton papa, ta maman, ainsi que ta pitoyable famille. Pour qui te prends-tu, hein? Vas-y. Tire. Ne sois pas un lâche. Dégaine. Prête cette arme. Prête-la. Tire. Je savais que tu n'étais pas un homme. Quand ça m'y prend, ça m'y tire en même temps. Une fois, je t'encule. Ça, ça suffit, Samy. Boss, accorde-nous cette faveur. L'affaire Maxino, personne ne me fait des faveurs ici. Je risque ma vie en faisant ce travail. Tu es grossier, Samy. Ton insolence me met hors de moi. Si c'est moi qui prenais cette arme, je n'hésiterai pas. Prends-le. Prends-le. Je t'attends. Prends-le. Je t'attends. Mais arrêtez ça maintenant!
ça, mais tu me déçois. Ton attitude apporte la désunion dans cette famille. Et je veux que ça s'arrête maintenant. Va-t'en à présent. Samy. Va-t'en. Maintenant! Cause the mansions and lights betrayal and